de Strasbourg il y a une seconde. Initialement, c'était un duo, c'était Bouaziz et Fejeuge, et Mendelssohn est devenu un groupe beaucoup plus large qui mêle aujourd'hui la chanson, le rock, le free jazz et l'expérimental. Les influences du groupe Mendelssohn vont de Springsteen à Neil Young en passant par Joy Division, Mansé ou Bachung. On les écoute, ça s'appelle Pinto. À 7 h tous les matins, et tous les jours, et toute la semaine. Seul endroit où je sois vraiment bien. Tu payes ton loyer, les 3/4 de ton salaire. À l'arrivée, le peu qui reste, ça passe dans l'essence, le découvert. Ce qu'elle prend, elle, pour ses petites affaires. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. Première fois que je l'ai vue devant son immeuble, je ne pouvais pas croire qu'elle était vraie. Maintenant, quand elle me parle, des fois, elle sait. Je préférais plutôt me taper moi-même sur la gueule. Je trouvais la place ici il y a 2 ans. J'étais derrière le service militaire. Je l'ai rencontrée, j'ai mangé avec sa mère. On a pris le crédit 2 semaines après. Quand j'arrive à 8 h avec les collègues, Monsieur Pinto, Monsieur Cebolo, on se change dans les vestiaires, puis on va pointer au bureau. Monsieur Cebolo, il a fait 8 ans l'Angola. Ça a laissé comme un trou dans son cerveau. Il dit quand il est revenu après ça, vous ne pouvez plus supporter d'entendre quoi que ce soit. Monsieur Pinto, lui, ça fait 30 ans qu'il est là. Au pays, sa famille était propriétaire. Mais lui et son frère, ils ne s'entendaient pas. Alors la nuit où son père est mort à la ferme, sa mère lui a dit de partir. Elle a fait un paquet de ses affaires. Elle est venue dans sa chambre. Elle lui a donné la moitié de son porte-monnaie. Monsieur Pinto, quand je l'imagine à 20 ans, il a toujours sa tête de maintenant. Sa femme est morte l'année dernière. Ça faisait 3 ans seulement qu'ils se connaissaient. Quand on a fait l'école comme moi, on devrait pouvoir faire autre chose. On devrait pouvoir faire autre chose que ça. Ce soir, je m'arrête un peu plus haut, j'éteins les phares et puis je coupe la radio. Je regarde les autres gens qui reviennent. Avant, j'apportais toujours un peu de son odeur avec moi. Maintenant, si je rentrais pas, si je disparaissais, je crois pas qu'elle ferait même la différence. Entre avant et puis après, elle dit d'ailleurs quelque chose de mieux quand même. Cette villa avec le garage, avec les rues et les maisons toujours pareilles. Sûrement quelque chose de mieux, c'est vrai. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait.
Mendelssohn, je voulais vous signaler que le saxophoniste de Mendelssohn, Emmanuel Baquet, signe l'intrigue du monde aux éditions L'Aldébaran. En fait, c'est une quête de l'identité. On parlait de l'identité il y a une seconde, au travers d'un travail photographique et un travail d'écriture très dépouillé, un certain nombre de stations qui permettent finalement à l'auteur de se reconstituer une identité et de trouver un contact et une relation avec le monde extérieur. Éteignez vos portables, c'est la deuxième partie de cette émission.